Salut à tous et salut à toutes, c'est Friano22 pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager. En fait, c'est juste la suite d'un autre épisode, pour être plus précis, celle du GP du Samin. Donc ici maintenant c'est la Driesteinbahn West of London. En néerlandais ça le fait tellement bien. Donc voilà, on va directement passer, c'est les trois jours de la Flandre occidentale. Donc voici la première étape qui est un contre-la-montre que je vais simuler. La deuxième étape comporte quelques petits secteurs pavés et puis c'est le sprint. Et la même chose pour la troisième étape sans les secteurs pavés. Donc, voici notre équipe. On prend déjà Schoendeby, Van Connecten et Valet. Donc, Louis Verbach va sortir de cette sélection. Nous allons prendre, pour jouer la gagne, un Lars Hiddingback qui remplacera Frédéric Willems en manque de forme notamment. Et je prendrai bien un qui est très bon actuellement, Jürgen Roland, à la place de Dennis Van Ender. Voilà. Donc, Christophe Fado va être le médecin pour cette course. Voici le premier parcours du jour. Et nous allons faire une simulation rapide, puisque je ne sais pas faire le contre-la-montre. Et nous avons Gregory Anderson qui fait 11e à 18 secondes. Nous avons 31e Jürgen Roulands, 19e Roulands à 31 secondes, donc on va essayer de récupérer ça. Baketa 23e à 35 secondes, c'est pas trop mal. Pour la loto, on pourrait prendre tout le monde ici. Loto Bellisol, voilà. Vous avez le 11e qui est Gregory Anderson, le 19e Jürgen Roulands, 23-20, je l'ai déjà dit. 27e Schoendeby, ou Dubaï. Qui est à 39 secondes, 53 secondes et 40e Adam Hansen, 1 minute 09, 53e Boris Vallée, Jonas Van Connecten et 80e à 1 minute 30, 2 et 161e à 3 minutes 01 Stig Brooks. Donc voilà, on se rejoint tout de suite en course. Et voilà, nous voici pour la deuxième étape de ces 3 jours de la Flandre occidentale à Driesteinbahn West of London, reliant Bruges. La flamande Bruges-Harelbeek, la française Bruges-Harelbeek. Oui, c'est plus ou moins la même chose, hein. J'ai pas forcé mon flamand, je sais. Donc voici le parcours avec ces petits mois à monter qui ne devraient pas faire mal. Dans les coureurs engagés, la Lotto Bellisol que vous voyez ici, nous avons Michael Matthew qui pourrait être un danger au sprint, Daniel Leondo, Popovic, Steven Van de Waal pour Trek, Backland, c'est le chef de file de l'Omega Pharma Quickstep, Gro Nordo pour la Melkin, Giant Shimano est emmené par Brice de Venice, local, ouais local parce qu'il est belge, donc nous avons YMP Drucker pour la Wanty Rosseler Veranda Classic, mais il y en a pas mal, hein. Best Good Service, Top Sport, Wanderen, la Wallonie, Bruxelles and Post, Quadro, BKCP Band, Underpool notamment. Puis Cité Lenet, Jossan, Veranda Willem, PMC Développement. On va peut-être s'intéresser à la Loto U23 avec Capio, Thijs Benoot, M. Krieger, Delton, Prison, Van Kampel, Van der Haren. Oui, il est parti, on va voir ce qu'il peut faire. Et hop, ça attaque directement avec deux Troyers. Derrière nous avons Westin, Dylan Thun et De Grave. Pour le moment, si c'est que des Belges, derrière ça attaque de nouveau avec Mels, qui est un Belge, et Van Basten, deux Belges. Et Peterson, un Américain, va essayer de les rejoindre. Powell fait le bon. Une échappée est en train de se créer. Ici, nous avons Schoendeby, qui va devoir rester dans le peloton. Anderson, s'y attaque de Merz. Zweck, série qui vient rouler avec Maurice. Ah non, attaque de série. Van Emden qui remonte pour la Belkin. Mini cassure là. Et voilà, Boris Vallée qui remonte. Stig Brooks attaquera. Vallée, je vais le garder. Protection de Van Anderson. Van Connecten va plutôt protéger Roulands. Et Brooks attaquera alors. J'ai pas vraiment une équipe de gros sprinter, mais voilà.
Ouais, c'est gros. Ouais, je laisse un peut-être de bail, ouais. Une attaque vient d'être lancée. Et ça attaque, hein, ça continue d'attaquer. Ah voilà, Hansen qui est remonté là. Attaque de grand. Allez, on va contrer avec Brooks. De Grave. Nouvelle tentative en tête de peloton. Jumeren et pas Jumeren. Il va être compliqué, tu la diras, hein, s'il va dans l'échappée. Jumeren, je vais directement voir l'habitude. Pourquoi je suis? Alors, est-ce que l'échappée est constituée? Nouvelle attaque. On peut dire que de oui. De Troyes, Belgique, représentant de la Belgique qui est de Wanty-Groupe Gobert. Nous avons Van Jumeren pour 3M. Nous avons Grand pour la BMC Development Team. De Grave pour EFC. Je pense que j'arrive. EFC Omega Pharma Quick Step. Donc les Tex Quick Step et Stick Brooks pour la Lotto Bellison. Van Basten a attaqué avec Water Kant. Peterson va essayer de faire le bon et ça roule avec Yeko, je pense. Bertolet, Quentin Bertolet qui remet une couche. Et il faut s'attacher, il faut y aller. Stick, allez, ne lâche pas mon petit. Ça s'agite à l'avant. Petit, un peu grand point. Logique. Oula. Est-ce qu'on fera le poids ou pas? Si, mais bon, calmez-vous un peu. Big Brooks n'arrive même pas à vous rejoindre. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier ici, en fait, parce que vous allez voir, c'est vu de la montée en rythme du montée peloton. Pavée. Violente accélération en tête de ça course. Ça reste à 180 km et je me vois mal rouler pendant plus de 180 km. Allez. Voilà. Attention, une attaque en coupe de tête. Allez. Le passage d'un secteur pavé est toujours très technique. C'est pour ça que certains spécialistes n'hésitent pas à faire de nombreuses reconnaissances, car chaque passage est particulier Grand, et certains sont carrément déterminants si vous les abordez suivants. Mal. Normalement, ah, il revient sur Detroyer. Non, Detroyer 1, 2 Grand, 3 de Grave, 22 Jumeren, puis Brooks et Van Eck. Preben Van Eck, Waterford Blanderen, nous avons Gauss qui roule après, donc voilà, rejoint, on va vite, et allez, de l'autre côté maintenant, Troyer qui est parti tout seul avec Grand derrière, Dick Brooks dans le groupe, ramené par Preben Van Eck, dans le peloton ça passe plutôt bien pour le moment, oh. Allez Stick. C'est clair que Grand allait attaquer. J'ai pas grand chose à espérer avec Stick Brooks. Et voilà, voilà une on va essayer dans de rester dedans. Plus de 2 et donc c'est Arnaud Grand qui prend le maillot de justesse devant Trim de Troyer et Martin de Grave à 1 point. C'est pas trop mal. Donc voilà, on se rejoint tout de suite pour les sprints intermédiaires. Je n'ai pas vu le sprint intermédiaire en partie par... ici, je vais vous le dire directement. Vu, j'ai pas fait attention, excusez-moi. Bon, impossible à voir, on verra tout de suite. Tout de suite, non, on verra ça tout à l'heure. Derrière, c'est toujours Ghost, Case et The Winter. Ça. Alors ici, Brooks. Et attaque de Van Eck. Preben Van Eck qui attaque. On va faire rouler un peu Brooks pour calmer tout ça. Bon, c'est Martin de Grève qui est premier devant Arnaud. Grand, Van Jumeren de Troyer, Van Eck et Brooks. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Oh oui, il doit être long encore. Allez, je me suis fait avoir comme un pigeon, mais bon. Ah là là, on va garder le rythme. Ça sert à rien.
n'est pas si bon que ça, mais il a quand même une belle marge de manœuvre. Le Troyer va l'emporter devant Grand et Vanek. Donc ça va revenir. Donc voilà, on se rejoint pour le dernier sprint et le sprint principal à tout de suite. Voilà, une grosse partie de l'échappée a été reprise, même si Vanek, très bonne Vanek, certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Le Troyer sont toujours devant. Avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Eh bien, ça se réduit comme peau de chou et Brooks va lâcher. Donc on va voir s'il s'est vite réapprovisionné avant de lâcher complètement. Mais du mal hein, aujourd'hui. Je pense que même Thijs Benoot aurait été un peu le mieux. Le peloton Donc l'écart fond comme neige au soleil. Et nous allons devoir, nous allons sûrement assister à un sprint intermédiaire que nous n'allons pas disputer. Donc c'est surtout Doll. Ouais, c'est qui Doll? Ah, Véranda classique, c'est ce que je pensais. Qui roule et la Trek Factory. Pourquoi Véranda classique? Je vais aller voir ça direct. La Trek Factory va prendre d'eau, il n'y a pas photo. Et Véranda classique. On va voir Véranda classique. Ah non, c'est pas color code. Oula. Véranda classique. Ah, Véranda Williams, ouais. Pour tenter avec Olivier Pardinier, ça me semble bien... Mais non, même pas. C'est pas ça. Pandour. Plus. Ah, Vasto Good. Voilà, Véranda classique. Alors, ce serait pour... Brambrilla. Oh... Ouais, pour Brambrilla, je pense. Lol, ouais. Wessler, mais ce serait plutôt Brambrilla. À mon goût. Alors, un kilomètre du sprint intermédiaire. Moll qui roule vraiment à fond avec Beck. Les cartes. Ça roule, hein. Maintenant qu'il sert Lofsky. Ok, bah, l'échappée va être reprise là. L'échappée est terminée. Le groupe vient d'être repris. Encore une chute au sein du peloton. Et chute de Massimo van der Harden. Aïe, 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 aïe. Il est reparti, heureusement. Et il y a un coureur qui va pas tarder à lâcher. 16 km. On va attendre. Ah, je crois qu'ils étaient repris. Donc Roulant va devoir suivre Anderson. Anderson suivra Connecton. Moi je vais faire suivre quelque chose de fou. Van Connecton va aller. Puis on aura quoique de Bee peut-être mieux. Oui. De Bee. Back va aimer. Donc De Bee, Van Connecton, Van Connecton. Hansen, Hansen, back, tant que je me trompe, back, qui j'ai toujours pas cité, la Boris Vallée, qui va donc se retrouver à devoir rouler à du 80, fort curseur, allez Van Connecton. Les coureurs approchent okay. De l'arrivée, ils le viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Formé pour la loto, attaque de Devenais avec Van Kersburg. Ça c'est des gros rouleurs n'empêche. Plusieurs coureurs tentent de sortir du peloton. Pas des gros rouleurs, bah t'es bon hein. Van Kersburg non? Je pensais qu'il est des meilleurs pour la montre. Guillaume Van Kersburg. De toute façon, la charge de revenir pour nous. On va quand même user un peu notre train. Hansen qui ne suit pas actuellement, donc ça sert à rien de sacrifier le Boris Vallée pour ça. Et derrière qui ne suit pas. Ok, ça suit. Partie des 10 derniers kilomètres, encore on y va. Encore 10 km à parcourir. C'est back ensuite, Lars Back. Les Vallée en aura fini. Il prendra le relais.
maintenant. Plus ou moins un kilomètre, hein, vous voyez. Ouais. Sachant que Boris Vallée était un peu fatigué aussi. Et Hansen qui ne suit pas. Hansen qui va devoir faire un petit effort pour revenir dans la roue de l'Arzac. On va un peu diminuer l'effort curseur alors. Ok, c'est bon. On réactionne la machine back. Connecton de B, Anderson Rolands. Voilà, essayer d'être le mieux positionné possible. Le prochain, ce sera le peloton vient de reprendre les échappées. Ouais, vraiment très bon là. Très très gros travail de l'Arzak. Ouais, 5 km, ok, on peut utiliser le gel énergétique. L'Arsiting Pack, il est cuit. Hansen, bah, ça sert à rien en fait de lancer Hansen. Directement passer à Van Connecten. Bah, il peut lâcher. Hansen aussi. Il reste moins de 5 km. Et Van Emden qui s'est mis dans notre roue. Eh, t'es malin lui. Et Deby. Ah si si, tiens Deby. Juste qu'il n'y a pas Anderson qui prend le dessus. Attention, un leader est décroché. Et on fait des grosses cassures, nous, là. Ça casse un peu partout. Van Connecten, très très bon, là. Allez, on lance direct le sprint. Avec Anderson, Van Emden. Normalement, il n'y a pas photo, on devrait s'imposer. Sans, on est dans les meilleurs. Van Emden n'est pas si bon que son sprint. Hein. Bonne endurance, mais quand c'est même... C'est parti pour l'emballage final. Kilomètre 500, on m'avait dit, donc on va essayer. Un kilomètre plus ou moins 500. Voilà, ici. Voilà, on va faire 1 et 2, normalement. Ah non, Mathieu qui revient très très fort, mais bon. Il a déjà trop pris de mètres. Roulant, ça va être déconcertant la facilité dont il va s'imposer ici. Encore une fois, belle victoire de Roulant. Hop. Et qui va pouvoir reprendre les secondes. Des petites secondes de bonification. J'ai remarqué quelque chose, c'est que je me suis complètement foiré dans mon enregistrement et que vous n'avez pas la victoire de Jürgen Roulant ici. Donc ça m'embête un peu. Mais ce n'est pas très grave. Puisque grâce au replay de vidéo, on verra le final, qui est quand même très beau. Puis on a ici donc Jürgen Roland qui s'impose juste devant Gregory Anderson, et Van Connecten et Deby qui font 9 et 10. Donc voilà, on va un peu accélérer pour que ce coureur en finisse. J'espère pour lui parce qu'il a eu du mal. Hein. Il a vraiment accéléré vraiment très très fort sur la fin. Excusez-moi pour Skype. Je vais peut-être attendre un peu. On ne peut pas arriver. Ah là là. Ouais. Voici maintenant les meilleurs Excuse-moi. Moments de la course. Oh bah, j'aurais peut-être pas dû mettre suivant. Si vous allez voir, voilà, Roland prend le virage en première position, avec Anderson derrière. Voilà, dès qu'il le montre. Voilà, ici, Roland. Et on va voir Anderson débouler quelques mètres plus loin, pour que Roland soit pris plus ou moins 13 secondes devant. Là, Anderson, vous voyez, il est tout seul et puis il va être petit à petit rejoint par Mathieu et Rast et Roland s'impose. Donc voilà, on va vraiment se mettre tout à la fin de la course. Voilà. Ici, vous avez le train donc qui part. Je vais rester sur Roland et quand Anderson va être Connecten et Co. Et juste quand on va lancer, vous allez voir, ça va faire très mal. Inventer un peu. Voilà, ça c'est un petit peu trop. On va Van Connecten a fait très mal. Hein. Voilà, ici on va laisser ça. Vous voyez, ici Anderson va prendre l'avantage, largement, suffisamment. Et là je lance Roulands. Bon, peut-être un lancer un tout petit peu trop tôt. D'accord.
Mais ça suffit pour qu'il s'impose. Regardez ici. Et la célébration tout à fait normale. Voilà. Oui, vous avez Anderson, Matthew, Undo, Nico et ici, voilà la suite. Donc, on va quitter et on va avoir tous les podiums. Donc, quoi, il est compté dans le même temps, c'est dégueulasse. Oh là là, il y avait 13 secondes entre. Bon, Roland, Anderson, Matthew, Undo, Van Emden, Lampard, Rass, Vermont, Van Connecton et Deby. Donc, on devrait normalement pas, à moins d'un miracle demain, que Van Emden serait lâché et que Roland puisse en profiter. Avec Anderson pour récupérer le maillot, ça m'intéresserait. J'y crois pas trop. Ici, Van Emden a une seconde avance sur Matthew, 2 sur Rosler, 4 sur Rass, Lampard. Anderson a 6 secondes. Oh, on va essayer de le reprendre demain. Et Roland a 11. Donc on est bien remonté en fait. C'est bien ça. Demain, il faudrait faire la même chose et essayer de reléguer Van Emden aussi loin. Question point, c'est Van Emden devant Matthew, Rass, Anderson et Roland. Pour le reste, vous verrez sur la troisième étape. Donc on se rejoint tout de suite pour la troisième étape. Tout de suite. Voilà, c'est parti pour la troisième étape de la Driesdag Van West of Vlaanderen. Donc une étape plate, plus ou moins au début, avec juste de petits monts ici. Mais elle pourrait permettre à Roland de reprendre du temps de nouveau sur Van Emden et pourquoi pas de s'imposer. Et grosse attaque ici avec Troyst, Swex, Splenger, Menosis, Verskeur, Werps et Versmerch. Derrière il y a Boris Vallée qui se trouve ici. On va regarder tous les lotos ensemble. Comme ça on va pouvoir faire vraiment un gros train et un gros effort avec normalement Van Connecton comme hier. Déjà Vallée va protéger Roulins. Anderson qui est ici sera protégé aussi par Stig Brooks. Voilà, il y aura Roland qui remonte ici. Venu, voilà. Et Deby et Hansen qui devraient remonter tout de suite. Donc voilà, on se rejoint directement pour les deux Grands Prix ici. Voilà, on change pas de stratégie qui gagne. J'ai encore loupé un des Grands Prix de la montagne en allant doucement en plus. L'échappée présente une avance non négligeable. Le peloton devrait maintenant réagir. Le rythme est plutôt calme sur cette portion. Les coureurs doivent en garder sous la pédale. Ça promet une belle fin de course. Qui attaque. Bon, je devinera à mon avis. Minicius, Trust, Smerk. Attention, une attaque en groupe de tête. Ils sont partis. Droyce qui va marquer les points cette fois-ci. Juste devant Magnovi aussi, c'est Verskeur. C'est Droyce qui a pris des points l'autre fois, voilà. Vous le savez maintenant. Donc voilà, on se rejoint. Les sprints intermédiaires ne sont pas intéressants en soi. Vu que l'échappée est assez nombreuse, on va dire pour les 20 derniers kilomètres. Voilà, ça va être parti pour les 20 derniers kilomètres. L'échappée compte 28 secondes d'avance. Et le peloton ici est emmené par l'équipe Wanty Group Gobert avec De Vries, Simons, Benny, et il joue la carte de qui de Greve. Moi j'aurais... Ah ouais, Drucker, bien sûr. Quelle question. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Okay. Ici on va vite faire Rollins, Anderson. Anderson... en plus ou moins le même train qu'hier, à différence que cette fois-ci Bach va remplacer dans l'ordre Boris Vallée, Hansen, peut-être juste mettre Anderson, Duby, Van Connecton Bach, oui, j'avais dit Boris Vallée, Hansen et Stig Brooks. Ça reste assez confus. Oh là là, mais rien ne s'est fait. Allez, Roulins. Ah ben oui, ok, logique. Ok, Roulins Anderson.
The bee. Van Connecten. Back. Je vais quand même mettre Hansen. Boris Vallée. Et Brooks. Il reste maintenant 15 km de course. Okay, on va essayer de faire en sorte que tout le train reste ensemble. Ok. Dick Brooks est ici. Allez, on lance la machine pour essayer de récupérer du temps. Hansen garde la roue, voilà. Après un chemin. Ouais, il reste plus que 10 km plus ou moins. Voilà, c'est parti, on lance les machines. Chute d'un coureur dans le peloton. Nicolas, merde. Aucun autre n'a été touché. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Je lance déjà le rythme de Boris Vallée. Oula. Mais bon, garder bavé. Vallée devant si Steve Brooks n'est pas capable de faire bon là. On les est coureurs en train de entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Monter. Comme il devrait, cela devrait être prévu. Brooks, ça ne tiendra plus très longtemps. Au moins, il a l'avantage d'avoir pu remonter un peu. Ouh, Boris Vallée qui... j'ai pas trop le choix là, faut repartir à l'attaque. Je fais des conneries. J'espère que Van Connecten arrivera à combler. Le peloton vient de reprendre les échappées. Vallée qui fait un effort incroyable. C'est les deux billes qui va devoir faire l'effort pour ramener. Allez, Brooks qui se... On se manque de billes complètement cuit là parce que commence à devenir énorme. Connerie que j'ai fait. Après Sanson, on va essayer de lui faire garder un rythme à 90 pour le moment. Tant qu'Anderson n'est pas revenu avec Nantes. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Et il est part tout seul avec Bach. Et là. Il reste plus beaucoup de kilomètres là. Roland s'est mal positionné. Ah, Anderson revient quand même. Bon, normalement c'est deux billes. Ici on va faire un train pour Van Connecten et c'est Bach qui va prendre le relais d'Adam Hansen. Oula, c'est beaucoup moins clair que hier. J'ai un peu cafouillé. Je vais encore essayer un peu de billes. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui? Je lance directement Roulants. Et on a quand même beaucoup plus d'hommes que hier. Roulants Anderson plutôt. Allez. Allez, voilà. Voilà, c'est parti. 1 km et 5 lotos dans les 5 premières positions du peloton. Bon, Bach et 24 hectares. La sélection par arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Restez longtemps. Je vais plutôt privilégier Roland. Désolé, Bach. Juste une question. De préférence pour la victoire. Hein, pour essayer de ramener le maillot avec Jürgen Roland. Leader d'équipe pour ce tour. Donc voilà, mais je sais qu'Anderson est très très en forme aussi. Voilà. Victoire pour le Belge, Jürgen Roulant. Voilà, nouvelle victoire de Jürgen Roulant devant Craig Anderson. Qui suit Van Emden, Rast. Debi est 7ème, c'est pas mal. Et Bach. Bach 10ème, c'est bien. On a encore quelques hommes dans le top 10. Juste dommage qu'on n'a pas gardé les 5 hommes. Hein. C'est, faut pas trop rêver non plus. C'est vraiment très bien. On n'a pas su faire aussi mal que hier, mais bon. Voilà.
Il y a un Toons qui était retardé sur chute, donc il va en terminer là. Très très prometteur, Dylan Toons. Voici maintenant les points forts de la course. J'ai remporté un tour de catégorie 2.1, donc je suis ravi. On sait déjà la suite. Hein. Hélas, pour vous, ou tant mieux. Roland se remporte l'étape devant Anderson, Van Emden, Haas, Kiserlowski, Bro, Sean Deby, Michael Matthew, Heyman et Lars Hittingback. Donc Van Emden qui m'a quand même impressionné lors de ce tour. Très très bon. Remporter l'étape, tenir le maillot pendant 3 jours. Même si le final du troisième, c'est fini. 2 jours, parce que quand il compte pas, c'est vrai. Puis Roland s'en pose pour une petite seconde devant Van Emden, 3 devant Anderson. Michael Matthew est à 10 secondes, Rosler 5e à 11, Kras 13, Lampard 14 secondes, 7e de Bond 17 secondes, 8e, 9e Kaiser et Pardini. C'est vraiment pas mal. Général point, c'est Van Emden qui l'emporte pour 3 petits points devant Roland. Ça c'est dommage. Mais on montre qu'on est quand même très très bon sprint avec Roland sur 2 et 3 Anderson. Vraiment très bien. Et Deby qui est quand même dans le top 10 avec 15 points. Général Montagne, c'est Freudge devant Grand, Le Troyer, Magnussi, Flanger, Swags, Verskuren, De Grave et Van Emden. Non, on attend le meilleur jeune. Matthew est le meilleur jeune devant Yves Lampard de Bond, Kulobo, Hoiberg, Subfron, Grossman, Zormott, Mike Hardy et Dewin. Si j'avais eu un sprinter assez jeune, j'aurais mis en avant. J'aurais peut-être dû prendre Jens de Bûcheren. J'aurais pu faire peut-être quelque chose avec. Général par équipe, c'est la Belkin qui s'impose devant Mega Pharma Quickstep, la Lotto Bellisol est 3ème, c'est très bien pour nous. 4ème Trek Factory, 5, Jazan to win. 6 sur 4, Sport 7, 8, Wallonie Bruxelles, Mega CP, Power plus 9 et Omega Pharma Quickstep et X est 10ème. Voilà, un ton au-dessus, c'était largement le cas sur ce tour, hormis sur le contre-la-montre. Hein. Même le prologue, je devrais dire, donc 1 Roulands, 3ème du général Anderson, 26ème du général Deby, 23ème Darcy Pinkback, 40ème Van Connecten, 34ème Hansen, 38ème Boris Vallée, Steve Brooks et 160ème. Bon, vous voyez que certains vont progresser et d'autres ont diminué. Je prends Brooks qui a dit... Non, il va progresser d'un. Non, c'est bien. Donc voilà, on va vite aller voir, faire un petit point sur les classements. Si on retourne, on s'en fout, c'est le Super Prestige où Théo Boss est premier actuellement devant, juste devant Jürgen Roland et Tony Galopin, donc deux Lotto Bellisol, rien que dans le top 3. Vous pouvez trouver un autre Lotto Bellisol, il faudra à mon avis descendre beaucoup plus bas déjà et trouver Adam Hansen à 141 points. Question Super Prestige, la Lotto Bellisol est devant avec 1938 points devant la Belkin. Et niveau monde, non, on va plutôt s'intéresser après aux victoires. Théo Boss a 11 victoires déjà cette saison, Jürgen Roland en a 8. Vous vous rendez compte, je pense que c'est une de ses plus grosses saisons. Même la plus grosse là, parce que vous avez une étape du Tour de Mar, le Hot Newsblatt, le premier, donc ça fait déjà 2. Troisième victoire à la Tristac, enfin, West of London, l'étape générale. Les deux étapes, ça fait 5, 6. Curne de Saturne, 7 de sa main et 8 du Grand Prix de la Marseillaise. Donc vous rendez compte qu'il a quasi remporté tout ce qu'il a pu dans les tours, à part bien sûr le tour du Qatar où il faisait le poisson pilote et le tour de Mans. Donc pour 24 jours de course et 8 courses, ça fait qu'en moyenne il gagne un jour sur 3. C'est vraiment pas mal. En sachant que les autres jours il remporte, il est quand même bon, hein, mais si on va regarder. Par le tour de l'Eurométropole et l'étape 5 du Skoda Tour Luxembourg, n'a pas fait grand chose hein, en 2012 et 2013. Question victoire, ouais, c'est vraiment génial pour lui. Cette victoire, ces victoires qui s'enchaînent, et pour la Lotto aussi, parce que vous allez voir qu'on, je pense, on domine presque avec 13 victoires, dont 8 pour Roulands, une pour Galopin, si je ne me trompe pas. Ici, Lotto Bellisol, elle est dans les petits.
saison. Victoire, il en avait 2 pour Galopin, 2 pour Gripple, 1 pour Montfort, 8 pour Roland. C'est énorme, hein. Donc voilà, on va se laisser ici. Un grand merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, ça veut dire quasi tout de suite, puisque Paris-Nice va commencer. Et j'avais peut-être pas calculé que Roland devait y être. Donc voilà, merci à tous et à toutes. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo en ma compagnie. En attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos de ma chaîne, de aimer si vous avez aimé, de partager la vidéo et surtout de vous abonner. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Bye bye tout le monde.